Bonjour à tous, nous revoici sur Tomb Raider Legend avec le troisième niveau consacré au Japon. Rendez-vous avec Takamoto. Alors on va reprendre notre partie. Voilà. Donc bien sûr, hein, la tenue est imposée, on conserve notre difficulté raid. Et puis c'est parti, je vous retrouve après la cinématique. Alors surtout, attention, on n'utilise pas les doubles pistolets, c'est très important, j'y reviendrai après. Dis Lara, qu'est-ce qui s'est mal passé la dernière fois entre Takamoto et toi ? Il voulait me refourguer des faux de la période Asuka. Les Yakuza manquent vraiment de bon sens. Tu l'as laissé partir ? Ça nous permet d'avoir une petite conversation. La vie fait bien les choses. Alors voilà, vous avez deux trophées à faire dans ce niveau. Le premier étant de tuer des gardes avec des télés. Le barman vous mettra en contact. C'était prévisible. Et le second trophée, c'est justement durant tout le niveau de ne pas utiliser les doubles pistolets. C'est pour ça que dès que la cinématique suivante sera terminée, on va tout de suite changer d'arme. Voilà, pour éviter d'utiliser les doubles pistolets. Si jamais vous faites l'erreur d'utiliser les doubles pistolets, n'hésitez pas à utiliser la fonction rembobinage. Voilà. Et puis écoutez, on va y aller. J'ai toujours kiffé ce niveau. C'est mon niveau préféré. Alors Lara est dans une tenue mais vraiment magnifique. J'ai toujours aimé ce niveau du Japon. Vraiment top. Au niveau de la mise en scène et tout, il est génial. Bonsoir, j'ai rendez-vous avec Nishimura-san. Ah, Lady Croft. Il est dans son bureau, c'est au bout du couloir derrière vous. Je vais le prévenir de votre arrivée. Merci. Au bout du couloir, je crois que c'est ce couloir-là, justement. Et voici... Vous entrez dans la salle. Bienvenue, Lara. Ma petite réception vous plaît ? Totemo tanoshinde imasu, Nishimura-san. Mais je crains que Takamoto, en arrivant, ne trouble votre sérénité. Prenez garde. Il peut devenir très dangereux si jamais quelqu'un menace ses intérêts. Oh, mais je sais être très persuasive. Surtout face aux hommes dangereux. Oh, je vous crois. Je suis dangereux aussi, vous savez. Mais je vous en prie, profitez donc un peu de la soirée et bonne chance. Et puis là, forcément, ça va mal tourner. Soyez brève, Miss Croft. Je suis extrêmement occupé, alors dépêchez-vous. Bien sûr, Takamoto-san. Je recherche une relique. Un fragment d'épée conservé par l'université Waseda jusqu'à ce que vous la voliez. Je ne vole pas. Et vous devriez vous garder de telles accusations. Je suggère donc que nous passions aux négociations. J'ignore totalement de quoi vous voulez parler. Bien sûr que non. Dites-moi un prix. Miss Croft, vous êtes sourde ? Vous croyez ? Vérifions. Suppliez-moi de vous épargner cette fois encore. Konose ! Himasuku yare ! Et là, vous allez sortir vos armes. Allez plutôt de ce côté-là, voilà. Vous appuyez sur triangle pour en tuer un, voilà, en le visant. Et vous allez pouvoir récupérer une arme. Alors pourquoi ne pas prendre l'arme? Nous, on veut prendre l'arme, là, qu'il y a à terre. Ah, voilà. C'est avec la touche triangle. Et après, vous vous servez de l'arme
Voilà, pour tuer les ennemis. Et vous allez essayer d'en tuer un avec les télés qu'il y a là-bas. Bon, lui. Voilà. Voilà. Et il y en a un qui est mort. La télé m'a tué. Ça, c'est bon. Le trophée est obtenu. D'où tu sors ça ? Simple politesse. Ne jamais aller à une soirée les mains vides. Takamoto a sûrement regagné son appartement. Ne le suivez pas, Lara. Ses gardes seront aux aguets. L'eau est un piège mortel. Je sais que t'es une pro, mais là, je crois vraiment que c'est mort, Lara. Alors, dans ce cas, je passe par le haut. Comment puis-je atteindre le toit ? Le toit ? Il y a un ascenseur. Fais attention, Lara, il y a des travaux là-haut. T'es vraiment sûr de toi, Lara ? Oui, je voilà. Peux envisager le problème depuis un autre point de vue. En l'occurrence, le toit. Vous récupérez vraiment un max de munitions, voilà. Ça évitera les accidents avec les doubles pistolets. Si jamais Lara dégaine ses doubles pistolets parce que vous n'avez plus de munitions, n'hésitez pas à revenir en arrière avec le rembobinage. Parce que je vous rappelle, hein, il faut terminer le niveau sans utiliser les doubles pistolets. J'ai pas de trousse ? Non, j'ai pas de trousse. Bon, on va vous emprunter l'ascenseur. Voilà. Alors ici, ouais, voilà, on a une moto à récupérer. Pour un si bel engin. Hey, c'est un crime de garder une bécane pareille sur un toit. Tu vois cet immeuble de l'autre côté de la rue ? C'est celui de Takamoto. Il est sûrement au dernier étage. Il va falloir que je fasse preuve de créativité. Oh, j'aime bien envoyer cet immeuble. Est-ce que... Si on ne casse rien, ce n'est pas une vraie fête. Est-ce que ça pourrait me servir pour une future miniature, peut-être ? Ah, je pense pas. À cause de la barre de santé. Alors, vous poursuivez. Et si vous allez tirer... Voilà. Cette petite porte. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Cette petite trappe. Ici, vous avez un trésor. Alors, attendez, il n'y a pas moyen de... Oh là là, c'est quoi ce bordel ? Voilà. Donc, vous prenez ce trésor. Voilà, un trésor de bronze pour commencer. Et voilà, et vous descendez. Normalement, il y aura encore un trésor ici. Hein. Voilà, juste là. Il n'y a pas une touche pour... Et si je grimpe sur la caisse, là ? Je suis obligé d'utiliser une grenade à chaque fois, c'est quand même étrange. Hein. Bon. Allez, c'est parti pour une grenade alors. Ben non. Ben alors la caisse. Je sais pas comment je peux la voir autrement. Ah voilà. Ben quand même. Alors maintenant on va emprunter la petite moto. Il y a une autre caisse ici. Ah oui, là par contre ça va être plus compliqué. Comment je vais faire moi? Pas moyen de la casser. Non. Pas ça.
Comment je peux faire? Avec la moto peut-être? On va essayer de foncer sur la caisse avec la moto. Non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Attendez, il y a forcément une touche. Que j'ai dû oublier, c'est pas possible. Alors. Sauter, grappin, s'accroupir, roulade, interagir, objet. Bah écoutez. Je vois que la touche triangle. Hein. On peut rien faire du tout. Je peux rien faire du tout. Pourquoi à chaque fois elle reprend son... Ah, il n'y a pas... Ah, si! Mais oui, voilà! Ah, que je... Mais non, mais je suis con. Vous avez la touche R3, effectivement, pour viser. Mais oui. Oh là là, le débile que je fais. On a tellement l'habitude que Lara Croft vise automatiquement que... Que dès qu'ils ont ajouté une visée avec ce Tomb Raider, on a oublié un peu les... J'ai oublié un peu les bases de Tomb Raider Legend. Et en plus, je sais pas conduire. Il commence bien à ce niveau. Hein. Voilà, alors attention ici, c'est une QTE encore une fois. Ici, vous allez descendre plutôt que de prendre la voie des airs. Parce que vous avez encore un trésor là-bas. Donc encore une fois, vous sortez. Attention, à chaque fois, elle sort les doubles pistolets. Hein. Voilà. Faut toujours changer d'arme. Vous ramassez le petit trésor. Et vous reprenez votre route. Classique. Alors attention, ici j'ai toujours peur. Alors, maintenant vous empruntez la voie des airs. Moi je spamme la touche triangle, hein, peu importe le moment. Là attention quand vous sortez. Ah c'est bon. Voilà. Alors, en fait, regardez, ils le disent maintenant. Ils le disent maintenant qu'on peut viser avec... ils ne savaient pas le dire avant, je sais pas moi. Et si vous empruntez, hop, la petite tyrolienne. Enfin, la corde plutôt, il n'y a pas vraiment de tyrolienne. Voilà. Voilà, maintenant c'est une séquence d'escalade. Tout ce qu'il y a de plus simple, il faut attirer à chaque fois les plateformes. Pour que vous puissiez traverser en toute tranquillité. Voilà. Oh, ici il va y avoir des ennemis. Ici je le sens pas en vrai, je pense que je vais mourir. Je pense que je vais mourir ici. Obligé. Alors attention à l'arme que Lara va sortir. Non, c'est bon. Parfait. Il n'y a plus que lui là-bas. Attention, il y a le chien aussi. Oh, il va m'avoir le chien. Oh non, il m'a pas eu. Il m'a pas eu par contre l'autre là-bas.
Ah non ! Non, 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 non. Petite grenade ? Non, j'ai plus de grenade. Oula. Faudrait qu'il passe ailleurs, lui. Ah là 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 là. Bon, on va laisser le jeu se recharger, ce sera beaucoup plus simple. Si ça veut bien. Parce qu'on va récupérer notre santé. Voilà, ça va être beaucoup plus simple pour nous. On peut pas trop compter sur la fonction de rembobinage, là, pour le coup. Voilà. On va faire pareil que tout à l'heure. Voilà. On va faire exploser ça, là-bas. Voilà. Et on s'occupe d'eux. Voilà, le chien, c'est bon. Et voilà. Bon, ça se corse à partir de maintenant. On dirait une usine à Yakuza. Alors, on va fermer l'usine. Alors. Non, ici. Il n'y a pas un trésor ici caché quelque part, là, dans les... Non, je crois pas. Il n'y a rien du tout. Donc, on poursuit. Donc ici, vous allez descendre plutôt que de prendre l'escalier. Vous allez casser cette caisse. Et vous allez récupérer ce trésor. Alors, qui s'énerve sur les cartons pour rien. Mais où ils sont ? Ils savent pourtant que t'es là. Est-ce qu'il ne faudrait pas monter encore plus pour un autre trésor ? Il me semble que oui, il y a un truc là. Oui, 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 ça y est. Ici, il y a un trésor, regardez. C'est un trésor d'argent. Vous le prenez. Et puis vous descendez. Hein. Oula. Je me suis guéri. Et on poursuit. Ah oui, je me souviens ici. Ok. Double point de cils. Alors ça, c'est quand on tue deux ennemis en même temps. Ah, donc je l'avais pas eu, double point de cils. J'ai eu que point de cils. Bon, pas très grave. Maintenant, on l'a. Je crois qu'il n'y a pas d'issue. Il y en a toujours une, Zip. Ici, je crois qu'il y a un trésor, là, quelque part. Oui, regardez. Vous prenez donc ce petit trésor. On vérifie ailleurs s'il n'y a pas autre chose. Non. Et là-bas, il y en a un autre. Je crois là. Ah oui, regardez, c'est là. Et vous prenez, voilà, ce petit trésor. Alors, ce que vous allez faire maintenant, c'est que vous allez poursuivre le niveau en cassant les petits anneaux qui retiennent les écrans, là. Voilà. Et vous allez tirer avec votre grappin. Alors si ça veut bien. Mais. Lara, voyons. Ah voilà. Attention, il y a d'autres ennemis juste là. Elle n'a jamais aimé la télé. Elle aura rendu service. Ils ont peut-être un livre. Ça les changera. Et voilà. Bon, ça c'est fait. Est-ce qu'il n'y a pas un trésor ici quelque part encore une fois? Non. Rien du tout. Rien du tout. On peut poursuivre. Il peut y en avoir d'autres dehors, Lara. Sois prudente.
Quelle belle soirée pour prendre l'air. Oh oh, tu sais ce que ça veut dire? Oh, je vais aller chercher mes cachets. Voilà, on poursuit donc. La nouvelle séquence d'escalade, il va falloir tourner les panneaux pour atteindre le sommet de ce bâtiment. Je pense que c'est le... C'est le Tomb Raider avec lequel vous verrez le plus de morts de ma part. C'est bizarre, hein, pourtant c'est, il est beaucoup plus simple que les remastered. Mais je pense que les morts sont dues à l'imprécision parfois du gameplay. Vous savez, les premiers Tomb Raider, ils étaient tellement précis. Moi, ça me donne envie de vomir. Je l'ai déjà dit en Bolivie. Je fais ce que je peux pour lever la tête, mais j'aimerais bien pouvoir me concentrer si ça ne vous dérange pas. Dans les premiers Tomb Raider, si on perd, c'est vraiment de notre faute. Là, ici, il y a beaucoup d'imprécisions quand même. Alors, nous voici juste là. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est casser là, la petite sculpture là en haut. Bon, j'ai pas réussi. Je n'y arrive pas. Ça veut pas se casser. Bon. C'est pas grave. On va s'occuper de cette façon. Alors lui, il va arriver par là. Il nous attendait, c'est trop sympa. Et ben voilà. Alors, petite vérif, parce qu'ici on a certainement un trésor là, planqué quelque part. On fait des petites vérifs. Je crois que c'est là-bas. Là-bas, il doit y avoir une caisse. Voilà. Regardez. Et ben voilà. Vous prenez votre trésor encore une fois. Et là, vous avez encore un trésor par ici, si je ne dis pas de bêtises, dans une des armoires. Alors c'est laquelle? On a perdu, c'est pas celle-là, alors attention. Ah si, c'est celle-là, wow, du premier coup. Dans les autres, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que des fois, il peut peut-être y avoir des trousses, hein, il me semble, non. Des trousses ou des armes, non. Non, il n'y a rien du tout, rien du tout, ok, bon. Pourquoi pas. Ça donne quoi au niveau des trésors? Eh ben, il nous manque juste le trésor d'or. Oui, je me souviens où il est. Je me souviens très bien où il est. Vous allez poursuivre, je sais pas. Si, c'est par là. Alors. Hey, attends! Tu vois la tourelle dans le couloir? Oui. Tu crois que c'est un piège? Ouais. Sois prudente. Alors je me fais peut-être des fausses idées, mais il me semblait qu'à l'époque, on nous demandait un trophée pour traverser sans se faire toucher, non? Y a pas un truc comme ça? Oh, je sais plus. Bon. En tout cas, je le vois pas dans ma liste. Bon, c'est pas très grave. On va faire... On va faire comme ce qui est prévu. Ah, c'est juste pour voir les caméras, ça? Y avait pas un levier à l'époque pour... Ah bah si, là. Ah, c'est juste pour voir les... Ok. C'est juste pour voir les lasers. Mais moi, j'ai utilisé une autre méthode. Que vous allez très certainement utiliser. Oui, dans ce contexte, c'est plus du domaine de l'art moderne que de l'archéologie. Elle est splendide, mais tu ne crois pas qu'elle est un peu grosse pour la ramener chez toi? Franchement, elle est grosse. Eh, laisse-la faire, mon vieux. Voilà, et vous allez apporter
cette boule jusqu'ici. Voilà. Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? On va utiliser tout de suite notre fonction de rembobinage. Voilà. Et là, vous vous cassez. Voilà, c'est ça. Faut pas aller jusqu'au bout, en fait. Ça y est, t'es gravement touché? J'ai connu mieux. On va éviter de recommencer. On n'a même pas été touché. Vous n'auriez pas dû venir. Ici, c'est mon domaine. Pas l'un de vos tombeaux moisis. Parlez-moi de l'épée, Takamoto. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine tant, Miss Croft? Laissez-moi la voir et vous saurez. Votre entêtement vous coûtera la vie. Et voilà. Bon, Takamoto a filé. Qu'est-ce qu'on fait? On le rattrape. Alors ici, le trésor d'or, il est caché là-haut. Vous allez vous aider de ce dragon là, voilà. Vous allez casser la vitre. Attention, il y a des ennemis qui vont débarquer. Vous pouvez les attirer avec le grappin, ça marche très bien. Hop, voilà. Et voilà. Ça marche vraiment très très bien. Alors, en ce qui concerne le trésor d'or, il est caché. Il est caché dans ce coffre. C'est quoi ça ici? Mais attendez, on prend les armes nous, hein. Oh. Est-ce qu'on peut casser Non, on peut pas casser cette vitre. On est obligé de ramener le coffre là où il faut. Voilà. Et vous le poussez à travers l'ouverture pour pouvoir libérer le trésor d'or. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez tous les trésors du niveau. On va pouvoir terminer le niveau. Voilà, ça, c'est un niveau assez court, hein, finalement. Et attention, hein, n'oubliez pas, on n'utilise pas les doubles pistolets. C'est très important, hein. D'accord ? Vous m'avez manqué de respect. Vous avez fait irruption chez moi. Vous avez tué mes hommes. Simple compression de personnel. Maintenant, si vous permettez, je vais vous débarrasser d'un objet. Vous parlez de celui-ci? Miss Croft, c'est le joyau de ma collection. Et pourquoi ça l'est? J'ai un faible pour les objets trouvés sur les cadavres anglais. Dans ce cas, c'était l'un de vos croisés. Certains prétendent même qu'il s'agirait d'un chevalier du roi Arthur. J'ignore comment cet imbécile l'avait eu, car il est manifestement antérieur au XIe siècle, quand vous viviez dans des huttes de terre. Et c'est pour ça que vous seriez prêt à sacrifier votre vie pour lui? Non. Mais pour ça! Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez grimper directement. Voilà, ici. Il va falloir se rapprocher de lui en vrai. Voilà. Et en fait, dès que vous êtes proche, vous lui tirez dessus. N'usez pas des balles de loin. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser des grenades. Voilà. Ça va, on s'en sort bien au niveau des munitions. On a encore une grenade. Alors,
C'est bon, là on va pouvoir le matraquer, on est sur la fin. On n'aura pas utilisé nos doubles pistolets. Voilà, c'est parfait. Oui, c'est bien le même. Tu as vu ce qu'il peut faire ? Oui, Alistar, j'ai vu. Les Konishima doivent être dehors, maintenant. Excellent. Dis-lui qu'il vient de marquer quelqu'un. Merci, Nishimura-san. Je suis vraiment ravie de vous voir. Oh, mais moi aussi, ma chère. Et Takamoto, où est-il ? Tout dépend si sa vie fut bonne ou mauvaise. J'ai du nouveau sur Team Scotland. En fait, ça te dit le canal ? Absolument. L'Afrique est un de mes continents préférés. Et notre trophée Merci Tokyo et Bonne Nuit est tombé aussi. Et le trophée Puissance de tir supérieur pour n'avoir utilisé que les doubles pistolets. Pour ne pas avoir utilisé les doubles pistolets. Voilà, nuance, attention. Hein. Et on a aussi obtenu le trophée hein, durant la partie double point de style. C'est vrai que j'avais oublié de le faire. Enfin, on avait tenté de le faire en Bolivie. Je pensais l'avoir fait, mais c'est vrai qu'il y avait deux trophées. Il y a le trophée pour le faire contre un ennemi, et il y a le trophée pour l'avoir fait sur les deux ennemis à la fois. Donc ça m'a un petit peu perturbé. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Profitez-en pour sauvegarder, hein, après avoir débloqué vos bonus. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo guide trophée de Tomb Raider Legend. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Salut !